Il y a 14 siècles, Dieu a fait descendre le Coran sur l'humanité pour la guider. Il appelait les gens à être guidés vers la vérité en adhérant à ce livre. Depuis le jour de sa révélation jusqu'au jour de la résurrection, cet ultime livre divin demeurera le seul guide de l'humanité. Le style incomparable du Coran et la sagesse supérieure qu'il renferme sont des preuves irréfutables qu'il s'agit de la parole de Dieu. Mais le Coran possède aussi de nombreux attributs miraculeux, prouvant qu'il est une révélation divine. L'un de ces attributs est le fait qu'un certain nombre de vérités scientifiques, que seule la technologie du XXe siècle nous a permis de découvrir, étaient déjà affirmées dans le Coran voici 1400 ans. Bien sûr, le Coran n'est pas un ouvrage scientifique. Cependant, de nombreux faits scientifiques qui sont exprimés dans ces versets, d'une manière extrêmement concise et profonde, n'ont été découverts qu'au moyen de la technologie du XXe siècle. Au 7e siècle, lorsque le Coran a été révélé, la société arabe avait de nombreuses superstitions sans fondement à propos des questions scientifiques. Ne possédant pas la technologie pour observer l'univers et la nature, les anciens arabes croyaient à des légendes héritées des générations passées. Ils supposaient, par exemple, que les montagnes soutenaient le ciel. Ils croyaient que le monde était plat et qu'il y avait de hautes montagnes à chaque extrémité. On pensait que ces montagnes étaient des piliers qui maintenaient en l'air la voûte du ciel. Mais ces superstitions de la société arabe furent balayées par le Coran. Par exemple, le verset « Dieu est celui qui a élevé les cieux sans piliers » abolissait la croyance que le ciel restait en l'air grâce aux montagnes. Dans de nombreux autres domaines, des faits importants furent révélés à une époque où personne n'aurait pu les connaître. Le Coran, qui a été révélé à une époque où les gens savaient très peu de choses sur l'astronomie, la physique ou la biologie, contient des faits essentiels sur des sujets variés, comme la création de l'univers, la création de l'être humain.